Ok, donc bonjour à tous et bienvenue. Je suis Monsieur Normandie et voici l'épisode 13 du Gouverneur Planétaire. Donc on en était où? Oui, c'est ça, on avait passé une trêve de sang avec Myriam et je comptais aller péter la gueule à Yang. Donc on y va. Sauf que Yang, ça n'a pas été évident étant donné les positions où il se trouve. Il a essentiellement que des bases maritimes. Donc ça va pas être amusant. Et lui là, faut vraiment que je l'emmène. C'est au niveau de la base là ici. Il va traverser des bases, mais bon, ça c'est pas grand-chose. C'est pas bien grave. Allez. Donc on va essayer de se taper des bases de. Alors, ça c'est intéressant par contre. On va essayer aussi de faire de l'aérien, beaucoup plus d'aérien. On va voir ce que ça donne. Non, pas les Nations Unies. Ok, là-bas. Est-ce que tu peux. Il te reste 19 et il y a 10 de distance ici. Allez, vas-y. Même topo. On va essayer vraiment de conquérir cette base-là, mais elle est dans. Ouais, ok. Bah ouais, logique. Toi, t'as plus rien à faire là-bas. Ouais, attends, on va te faire contourner le cap là, parce que. Oula, attendez, j'ai fait une connerie. Toi, tu vas faire demi-tour, toi. Toi, ben oui, bah t'attaques, toi. Oui, vas-y. Oh, là là, c'est quoi ce truc? Provo, j'ai des preuves suggérant que votre soi-disant pacte fraternel, frère Lal, de la faction protecteur de la paix, se consacre à se présenter comme la seule autorité légitime de la planète et pense à vous trahir sans vergogne. Passons notre propre pacte et apprenons-lui une bonne leçon. Si j'avais pas d'aide et. Et remarque là, il m'avait trahi au niveau du jeu, hein, au début du jeu hein, déjà. C'est pas impossible, là, le scénario n'est pas impossible. Parce que parfois, il y a des incohérences hein, dans le scénario, mais là, c'est cohérent. Pour le moment, on va dire qu'on ferme les yeux, mais. Non. Arrêtez votre vendetta contre mon ami, contre frère Lal. On va demander à ce qu'elle arrête, est-ce qu'il arrête contre frère Lal. On va parler à frère Lal après. Et on va demander à ce qu'elle arrête avec les Spartiates aussi. Ok. Voilà, que lui et les Spartiates, ils arrêtent de se taper sur la tête pour qu'ils se concentrent un peu plus sur Dedre. Franchement. D'ailleurs, et j'ai pas vu. Il est plus en vendetta contre Dead en plus. En tout cas, toutes les tentatives pour le moment de. Et il est vachement bien équipé, Yang, quand même. Ok, alors ça, je laisse pas passer du tout.
Ok, on n'a plus de bateau, donc de toute façon. Ok. Base universitaire, ouais. Là-bas, il y a quelque chose qui me plaît pas. Ok, toi, t'es proche du but. Ok, attaque. Sur la fin, on voit que ça se déplace un peu partout, hein. Oula, population maximale atteinte. interlude planétaire. Attendez, je relance juste l'enregistrement pour qu'on ait le temps de lire ça. Voilà. Alors, boum, soudain les ténèbres, cette fois vous n'êtes même pas endormi. MDG de Normandie, Terrien, Sacrebleu voix. Je tiens conseil, sortez de ma tête. Il n'est plus possible de le nier, ce n'est pas un canular. Soit vous avez perdu la boule, soit vous êtes entré en contact avec quelques avatars du fungus. Une entité extraterrestre dont la matrice neuronale peut se répandre sur la totalité de la planète. Nous, plus habiles, oui, à ceci, nous enseigner beaucoup, MDG de Normandie Terrien, peu importe tes conseils, nous parler, MDG de Normandie Terrien, avec voix maintenant, donner ordre. Ha ha ha, nous blaguer, ha ha ha. Bon. Génial, une planète qui pense avec la maturité d'un enfant de 2 ans. Faites vite, voix, quel que soit votre but, vous mettez ma patience à rude épreuve. Nous questions vos nœuds humains, pensez ensemble oui, pensez ensemble non. Snaps de fleurs, snaps de verre, nous pas détectés, exister dépendance. Chaque humain est une créature indépendante. Nous pouvons communiquer en parlant et en écrivant, mais nous ne pensons pas ensemble, comme vous dites. À nous être soulagés, nous nécessaire réduire plusieurs grandes invasions nœuds humains. Dans nous nécessaire réduire plusieurs grandes invasions nœuds humains. Elle nuirait, esprit de fleurs, nous pas souhaiter priver MDG de Normandie Terrien de penser ensemble, nous remercier, nous désoler, ennuyer. Attendez, voix, vous ne pouvez pas simplement. Boum. Étrange silence autour de la table de conseil. Vous essuyez rapidement la base. La base qui coule. Attendez, vous essuyez rapidement la base qui coule de votre menton. Ça veut dire quoi, ça? La bave à la limite, mais la base. Vous essuyez rapidement la base qui coule sur votre menton. Bon. Si tu veux, pas de problème. Bon. Production terminée. Émeute de droïdes au Nouvel Eden. Et vous faites chier les droïdes, vous faites chier. Il y a une technologie qui existe, on l'a sur la fin du jeu, et ça annule toutes les. Comment, toutes les émeutes de droïdes. Vivement que ça arrive, parce que. On a un ras-le-bol là. Confirmation demandée. Plus ça coûte de la thune cette merde. Manque de ressources. Bon.
toute façon, on va tous les regrouper en un point et après on va gérer, on va voir un petit peu ce qu'on fait avec notre armée. Ouais, mais je pense que les vertes et les pattes, hein? Non, annule l'action, qu'est-ce que tu me fais, toi? Ah ouais, c'est con! Eh, vous savez quoi? YOLO. Elle est trop bonne. Oh ça c'était épique. J'y pique sa base. Elle me demande de payer. Je paye pas. Elle me fait bon bah bon, on fait quand même un traité. Enfin on fait quand même une trêve de sang. Oh la grosse soumise quoi. Non je passe du temps, excusez-moi mais c'est elle quoi. Hein. Je dis pas toutes les. Je veux pas être poursuivi par toutes les associations féministes, mais là, franchement, ce qu'elle m'a fait là. Je remarque, ça me fait penser un peu à autre chose. Hein. Ça fait vraiment. On pique la base. Eh oh, vous payez? Non. Bon, bah, on fait la paix quand même. Oh putain de merde. Bon, excusez-moi, je me tape une barre tout seul, mais là, le scénario, c'est n'importe quoi. Remarque, en diplomatie internationale, parfois, on a ce genre de truc. Hein. Mais là, c'était vraiment flagrant. Oh, excusez-moi, je me tape une barre tout seul, là, mais... Oh merde. Bon bah c'est bon, il lui reste plus qu'une base. Et je suis sûr que la dernière, je peux lui faire. Et je suis sûr que je peux la faire abandonner là tout de suite. Allez, on va faire ça. On va faire ça, on s'en fout. Oh merde. Peut-être feriez-vous bien d'examiner Oh ta gueule, soigneusement les attache. options qui s'offrent à vous. Oh putain, j'en pleure de rire. Allez, les gars, j'en pleure de rire. Oh la vache. Peut-être feriez-vous bien C'est bon, d'examiner je vais me soigneusement faire les l'aide. En plus, ça options va qui me s'offrent à permettre vous. de vous montrer comment, qu'est-ce qui se passe quand on met fin à une faction. Elle est protégée sa dernière base ou pas? Faudrait qu'au moins j'ai deux vaisseaux pour l'attaquer. Ah ouais, c'est vrai que là, les Larouches, en plus, ils sont ennemis. Production terminée. Alors, attendez, juste un truc. Ça, là, je veux... Alors, toi, déjà, tu vas te Cette mettre en... unité ne possède pas la capacité Ouais, requise. mais je m'en fous de cette unité, j'ai d'autres choses à chat à fouetter, moi. Tu vas me changer, tu vas me faire deux vers télépathes. Enfin, deux îles des profondeurs. Non, c'est pas ça que je voulais. Efface, efface. Efface, j'ai dit. Voilà. Ok. On va bien voir dans quelques tours comment ça va se passer, mais. Mais sûr que je peux me la faire, quoi. Complètement dominé, quoi, là. En même temps, elle a pas vu le jour, hein. Avec moi. Impossible d'exécuter cet ordre. Impossible d'exécuter cet ordre. Impossible Bon, bah, d'exécuter ok, je cet peux pas ordre. attaquer la. Ok, attaquer là-bas. Et toi, tu prends la ruche maritime. Nickel! Ok, et ben voilà, c'est bon ça. Non, c'est pas ça que je voulais, annule. Tu le changes, on va tout de suite développer. Je crois que j'ai assez d'énergie.
Trop sens pour ça. Ok, alors attendez, parce qu'en plus j'ai d'autres trucs là. J'ai l'ascenseur spatial à développer aussi. Juste, c'est la sphère de punition que je veux développer tout de suite. Confirmation demandée. Et ensuite, on va faire des vers télépathes à fond de blinde. Enfin, des îles des profondeurs. Allez. On va utiliser que ça, pratiquement. Attends, viens là, toi. Eh, n'empêche, comment, Lady Dedre a dû se prendre une raclée aussi quelque part. Ah, c'est là qu'elle s'est pris une raclée, attendez. Qu'on voit un petit peu ce que ça donne ici quand même. Vache, il y a combien de vers télépathes là-dedans? Ouais. Non, alors j'ai un bug avec Lady Dead. Ok, puis il faut vraiment que je regarde la base là-bas parce qu'à mon avis les unités ça doit pas être ça. Les célestes sont exceptionnellement belles, avec leurs kilomètres de réseau de verre encadrés de grilles de métal. À l'intérieur, la lumière du soleil brille au travers des jungles végétales. Lorsque l'une d'elles capte la lumière, vous pouvez voir sa beauté se réfléchir sur des kilomètres. Ce sont des étoiles créatrices de vie sur une planète désolée. Des jardins sur une aile. Lady Dedre Sky, rêve de planète. Ok. Ouais. Ok. Population maximale atteinte. Ouais, ici ce sont des Production investissements. terminée. Il y a tout. Il y a tout. Ah, faut que je surveille quand même. Ouais, donc ça c'est bon. Oui. Abandon, reprise, échec. C'était la phrase que quelques Warm Dogs avaient gribouillée à côté de la porte de la salle du projet Édité Univers. Et lorsque les nouvelles fileuses de données ont commencé à travailler, construisant leur monde sur les énormes systèmes d'ordinateurs organiques, nous leur avons rappelé ceci. Si vous voyez ce message, sélectionnez toujours reprise. Vadiron, éveilleur, Polysoft Morgan. Ok. Non, c'est bon, on trouve. Production terminée. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? On demande sa petite sphère de torture, sa petite sphère de punition. Il n'y a pas de souci, on vous envoie ça. Confirmation demandée. Vous l'aurez tout Production suivant. terminée. On va déverrouiller ça. Lui là, on va lui demander d'attendre et on va envoyer ça. Hop. Alors, j'ai combien? 28. Je peux demander 28. Oui, non. Ah oui, c'est vrai que je devais demander d'arrêter de se battre avec Morgane, lui. Ok, oui, ok. Arrête ta vendetta contre mon ami, contre Morgane. Ok, oui. J'ai une proposition à vous faire, une attaque conjointe contre mon ennemi, contre Yang. Ok. Quel est votre prix? Unité d'avantage, j'ai déjà lancé une vendetta, ok. J'ai une proposition à vous faire. Une attaque conjointe contre mon ennemi, contre Lady Dedre. Ton prix. Ok, il refuse d'attaquer Dedre. Cette unité ne possède pas la capacité requise. Ok. Combien il te reste? 29. Tu peux aller jusque là-bas? Ouais. Genre, il n'y avait qu'une unité là-bas. Putain, tu peux.
pas la Ok, capacité non, bah, requise. c'est en... J'ai dit 22, mais ouais, non, c'est trop loin. Mais bon, ça fait rien. On a des bases sur le chemin. Projet ennemi déclenché. Ouais, donc je disais d'être. Oui, je vais vous montrer là où elle s'est pris, à mon avis, une raclée. Ouais, qu'est-ce que tu me veux? Non, non. Bon, il propose une trêve de sang. On va accepter. Je vais garder des vaisseaux près de chez lui quand même. Et je crée des vers Chambre de télépathes à vie fond. indigène. Enfin des îles de profondeur à fond. Pour être prêt à riposter contre lui. Parce que c'est certainement le prochain que je vais me faire. Il me faut en attendant, c'est surtout, est-ce que j'ai une base maritime dans le secteur? Il me faut un espace d'embarcadère. Je vais mettre ça là. Il faut que j'amène des hommes pour attaquer Lady Dedre. Donc, de toute façon, Lady Dedre, hop. Oh, genre, y a du. Ouais, ça, c'est le pôle Nord, ça. Il y a moyen d'aller conquérir là-bas. Attendez. Est-ce que des villes maritimes, il n'y en a pas des masses. Là-bas, c'est en... Dèdre, elle a presque pas de... D'accord, alors là, je peux pas y accéder. Genre, elle a presque aucune base maritime, quoi, elle. Bah non, bah... Direction... Voilà. Ok. Tu vas te diriger là-bas, toi. Ok. Soit pareil. Ok. Ça rigole pas. On va mettre ça là. Pareil, on va protéger un petit peu plus. On va doubler un petit peu les protections là où il faut parce que... YOLO. Ouais, alors moi je voulais voir cette base-là justement. On va laisser là une protection en plus parce que vu l'état de la protection ici, la base va pas tarder à tomber si j'arrive pas. Oh putain, la base que j'ai pas protégée, elle va être prise par l'ail. Vous allez voir. T'y crois, toi? Tu vas attendre, toi aussi. Toi, t'es où, toi? Ouais, tu vas attendre aussi. Toi, t'es un peu loin, par contre. Allez, tu vas te rapprocher. Toi, pareil. Que j'attende que j'ai le deuxième vers télépathe. Enfin, la deuxième ligne de profondeur. On va accélérer celle-là. Confirmation demandée.
Celle-là, on va lui dire d'attendre quelques tours. Faire chauffer au rouge, faire chauffer à blanc, faire noir et froid, un goût de fer, une odeur de fer et une babel de son métallique. Charles Dickens, Bleak House, liaison de données. Ok, c'était quoi ça? Ok. Faut vraiment qu'on... Production terminée. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Besoin d'une petite sphère de punition? Pas de problème, hein. Confirmation demandée. J'ai ce qu'il vous faut. Hop. Bon, bah là, c'est bon, on va pouvoir se faire taire. J'y crois pas, quoi. Ça va vraiment pas durer longtemps. Enfin, si, quand même, ça aura duré quand même une dizaine d'épisodes. Ah, génial! Pile poil ce qu'il me fallait, pas de bol, et il est pas au bon endroit. C'est vrai que je comptais demander ça, mais bon. Ok, de toute façon, c'est la fin de cette partie. Je sais plus si j'ai relancé deux fois ou trois fois l'enregistrement encore une fois. Ok, on va débarquer tout ça. Je relance juste l'enregistrement. Le débarquement, voilà, c'est bon, ça a coupé juste au moment où je disais débarquement. On débarque tout. Allez, hop, alors. Hop, 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 hop. Tout ça, tu me les actives. Ok. Et tout ça, tu me balances tout ça directement. Ouais, balance-les-moi là. Ok, et tu vas retourner hop ici. Allez, à la prochaine unité qui s'arrête, je vais aller voir mes bases là pour les deux technologies qu'il me faut. Et on est en 2500, donc il me reste 100 tours précisément. Donc on est presque à la fin du jeu. Pression maximale Enfin, atteinte. Il nous reste un cinquième du jeu. Alors, juste donc mes deux bases ici. Donc laboratoire quantique, tu vas Confirmation m'accélérer demandée. parce que pour ce qui te reste, voilà. Par contre, le convertisseur de puissance, tu vas me le remplacer par. Alors, qu'est-ce qu'on a? Immortalité clinique. Elle est flippante, hein, là, je vous préviens tout de suite, mais c'est intéressant. Ok, donc ça, ok. Ensuite, la base ici, Néo, machin là. Combien ça coûte pour accélérer? Confirmation demandée. 200. Ok. Et le prochain, tu vas me le changer, le convertisseur, encore une fois. Tu vas me le changer en la matrice télépathe. Ok. Et au niveau de Min Morgan. Non, ça c'est le donjon commandant, c'est pas ce qu'il me faut. Min Morgan. Ah non, la matrice télépathe est en train d'être développée ici. D'ailleurs, est-ce que je peux accélérer? Confirmation demandée. Ouais, donc on a la matrice télépathe. Ok, nickel. Bon, on va continuer l'épisode de toute façon jusqu'à la matrice télépathe. Donc ici, résultat. Donc attends, donc ici c'est l'immortalité clinique qui va se déclencher. Ensuite après ici, donc après le nano-hôpital, j'ai dit que c'était. Donc ce sera pas la matrice, ce sera l'ascenseur spatial. Et la matrice, bah tu me l'effaces. Ok. Voilà, comme ça on a nos projets qui sont en train de se faire, de se laisser évoluer.
Ok, ici on a. Ouais, alors ici. Ici, il faut que ça aille jusque là-bas. Même moins que ça. Il faut que ça se déplace jusque là-bas. Forme de vie indigène. Uniquement les unités combattantes. Bah, ouais, bah. Ok, alors là, elle. Elle est foutue, elle. Allez, rompez le pacte. Ok, elle avait plus d'une unité en défense. Ok, et puis bah, là-bas, on attaque. Donc je le fais plusieurs fois, mais c'est parce qu'il y a plusieurs unités évidemment à déplacer. Hop. Allez, il en reste plus que 3, 2, et la dernière. Voilà. Bon, normalement, avec ce que je lui envoie dans les dents, la base, elle devrait tomber. Oui. Le premier être vivant à passer au travers du dispositif fut une petite souris blanche. Je l'ai encore, en fait. Comme vous pouvez le voir, les dégâts n'étaient pas aussi importants qu'il le disait. Académicien Prokhor Zakharov, pour voir comment il court. Ouais, alors, la mécanique temporelle, et en installation, on a les portes psy, le transmetteur de matière en vrac, et le dispositif d'intrusion. D'accord, ok. Avec les délicates tresses, entre nos esprits, nous tissons notre filet. Une couverture pour tenir chaud à l'âme. Lady Delrosky, recueil de poèmes. Ok, la matrice télépathe. Ouais. Projection terminée. Ok, Projet l'ascenseur spatial. déclenché. Ah, attendez. Ouais, mais l'ascenseur spatial est déjà en train de développer ailleurs. Ça sert à rien que tu y sois. Ouais. Alors, l'immortalité clinique, est-ce que je peux l'accélérer? Énergie insuffisante. Ok, 11 tours. 11 tours. Et donc, Mine Morgane, on va changer ce qu'il fait actuellement. Bon, on va faire quelques infrastructures. En attendant. La réserve Centauri. Les portes psy. Après, complexe aérospatial. Et le reste, on verra bien. Alors, ouais. Ok, donc ça, c'est pareil, ça va. Ah oui, mais non, ça sert à rien que j'aille là, jusque là-bas. Ouais, si, ça peut servir si ça va jusque là, quoi. Même là. Allez, hop. D'accord. Une petite capsule colonie, on va mettre ça là-bas. Ouais, je sais pas si vous avez entendu, mais on m'a appelé. Ok. Forme de vie
d'oxygène. Excusez-moi, vu que j'ai fait plusieurs coupures, je vais quand même vérifier la durée de l'épisode. Et ben ça, c'est une grosse attaque. Bon. Construction primordiale pour la planète Alpha Centauri A fait exploser des quantités inimaginables d'énergie dans l'espace à chaque instant. Et pratiquement chaque joule de cette énergie est totalement gaspillée. D'incompréhensibles richesses peuvent être à nous, si nous ouvrons suffisamment les bras pour piocher dans cet éternel fleuve de richesses. Chef de l'exécutif, Noir Boutique Morgan, le monopole Centauri. Ok. Ok. On va avoir pour hop, les infrastructures supplémentaires ici. Bah, la transmetteuse de l'ingénieur orbital, il me semble que je l'avais déjà. Bon, on va bien voir. Production terminée. C'est quoi ça? Ok, bah écoutez, attendez, je regarde juste la durée de l'épisode. Eh ben oui, mine de rien, ça passe vite. Donc écoutez, bah, j'espère que cet épisode 12, il me semble, j'ai pas regardé en regardant la durée de l'épisode. Donc l'épisode 12 vous aura plu. Donc à l'épisode suivant, donc j'en finirai avec Daedre. Non, pas avec Daedre, les Devaux, avec Myriam. Voilà, Myriam. Et bah sur ce, je vous dis à bientôt.